Bon, me revoilà. Oh, je suis si contente que tu sois revenue. Ouais, moi je suis contente que t'aies compris la leçon. Je suis revenue, mais les choses vont devoir changer dans cette maison. Regarde ce que j'ai fait, Elick. J'ai appris à faire de la peinture zen. J'avais oublié que j'avais des talents artistiques. C'est super intéressant, mais je te rappelle que j'ai vécu dans la rue pendant au moins 4 heures. Fais-moi un truc avec tes... César? Oh, malapindoul! Oh, bordel ta mère! Je voulais bien venir guider, voilà! Oui, comme vous l'aviez prévu. Et qu'est-ce qu'il faut encore là, ce coin? Il dit qu'il a faim. Comment conseillez-vous? On m'a les nourris. Ah, c'est quoi cette perte? Du poulet sans la peau, des légumes bouillis et de la salade. On se croirait à Auschwitz. Il a toujours un comportement agressif et dominant. Ignorez-le. Quoi, mon Dieu? Mini gâteau au chocolat? Bah, ça suffit. J'appelle les services de protection de l'enfance. Madame Cartman, vous devez vous imposer comme chef de maître. Alors, que faites-vous? Eric, puisque tu ne veux pas manger, pourquoi tu n'irais pas te laver les dents et te mettre... Non, vous lui demandez nos faveurs. Demandez pas des faveurs. Dominez-le. Non, je mets ce connard dégage, t'as compris? Si c'est pas passé d'ici 2 minutes, je te balance les services sociaux au cul. Si vous projetez votre énergie dominante sur lui, l'enfant va s'améliorer, Dieu vous le promet. Et pour le basse, tête de l'autre, vous ne raisonnez pas avec lui, vous ne discutez pas, vous les dominez, c'est tout. J'en suis ton fils, et tu vas écouter ce que t'as dit. Tu n'as pas le droit de... Maman, arrête ça, j'ai pas l'intention... Mais sérieusement, maman, mais c'est... Comment est-ce que tu fais ça, maman?